Wow! Le partenaire de Kali Boy! Enfin! Enfin, les jeux sérieux! Les jeux sérieux! Quelle naïveté! Oh, son éveil! Il va le mettre sur son épée? Corazon. Qu'est-ce qu'il va faire? Attends, quoi? Il a utilisé le fruit de... Comment, frère? Il a utilisé le fruit de Corazon? Non, je veux des explications sur ça, par contre. Ou sinon, ça fait partie du fruit de son... Je vais pas dire que c'est pas logique, gros. C'est Oda, gros. Il y a une explication derrière. Comment il... Est-ce que ça fait partie de son fruit? J'aime bien les couleurs. J'aime bien le silence qu'ils ont lâché. Hein. C'est la fin. Y a plus de bruit. Oh, je kiffe les moments comme ça. Non, y'a personne qui va t'aider, ma vieille. En plus, à chaque fois, elle compte sur ses... De ouf, à chaque fois, elle compte sur ses enfants. Bah, c'est pas ses vrais enfants, mais là, on a compris. Yamato. Attends, tu vas me dire, on va tomber comme ça sur l'île? Non, bah, allez la finir, gros, ouais, wesh. Elle va pas mourir en tombant comme ça sur la capitale. Comment, là, il a fait ça? Je capte pas, c'était le fruit du démon de Corazon, gros. Comment? Et tu vas pas me dire l'eau, il a eu le fruit de Corazon, c'est-à-dire il a deux fruits du démon à la barbe noire, c'est impossible. De tout One Piece qu'on a vu là, il y avait que barbe noire qui savait faire ça. Ah, dégagez-moi Konjiro de là. Il a lâché une attaque de psychopathe là, c'est incroyable. Oh lolo. Il aurait lâché cette attaque contre Kaido là. Au même moment que Zoro. Ah ouais, Big Mom elle est vraiment tombée. Non, elle était encore consciente quand elle est tombée, wesh. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ah, j'aime bien cette date. En fait, là, pour l'instant, le moment, il est pas légendaire, frère. Wesh. Il a promis Yonko vaincu, frère, depuis Marineford, gros. Il faut qu'il lâche une scène plus incroyable. Sinon, l'eau, il va la finir, gros. L'eau, il faut qu'il la finisse. Ou Kid, même les deux ensemble, mais il faut la finir, gros. Elle est encore consciente, là. La scène, elle est pas assez légendaire pour l'instant. Frère, c'est un Yonko vaincu, gros. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est le summum de la puissance de One Piece. De ce qu'on a vu pour l'instant. Oh, t'étais très très loin. T'étais très très loin, je te le dis. Mais je rigole là. Mugiwara. C'est la faute de Luffy, il va dire.
Ouais, Roger, est-ce que je me suis ce que j'allais dire tout de suite là? Elle parle comme si c'était son pote. Arrête, elle était chez les Rocks. Ah, l'exécution. Tu vois, ça là, ce flashback là, ils nous ont montré une vingtaine de fois. Mais j'en ai rien à foutre, tu vois. J'ai rien à dire, parce que ce moment là, il est légendaire. Tu vois, il y a des moments, tu vois, et tu peux les remettre plusieurs fois, ça va pas faire chier les gens. Parce que le moment, il est incroyable. Il y a des flashbacks qui, tu vois, ils font vraiment chier à les faire passer flat les fois. Une dizaine de fois, une vingtaine de fois. One Piece, yo! Saga Sei! Kono yo! Soko ni okite kita! Mais Bicom, ah ouais, non, elle commence à blâmer. Ah, elle croit vraiment que c'est... ok, ok. Elle croit que c'est un mensonge, tout ça. Qu'est-ce qu'elle est naïve. Mais elle, arrête. Ah, la jalouserie, Bicom, la jalouserie. Ah non, toi, tu vas dire une dinguerie, hein. J'aime bien la scène, là, ça montre vraiment que la défaite de Bicom... Des pirates se font en Inde. Bah c'est la... C'est la nouvelle génération, mon pote. C'est les anciens. En gros, elle veut dire que Roger, il a hypé la nouvelle génération et les anciens, ils en prennent le coup. C'est une dinguerie. Mon Gazoro. Il est encore HS. Et ils nous ont toujours pas expliqué, c'est passé quoi que... Avec ça, là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? J'aime bien Zoro, il est tellement proche de la mort là que... Il y a un Shinigami qui vient, c'est quoi le délire là? Zoro il s'est perdu... ici là? Qu'est-ce qui se passe là? Et quand il va attraper... Merci, passez-moi cette scène de merde là. J'ai même pas envie d'en parler. Dorotec, Hiyori et Orochi. Je sais pas ce qu'elle attend pour le tuer, la tête d'homme, je comprends pas. Là, il a plus qu'une tête là. J'ai pas de la merde. Ils ont tranché toutes ses têtes à part une. Seule. Bon, ouais, c'est pas elle, mais... Gros, t'attends quoi pour le tuer? Sinon, on attend vraiment que Kaido il soit vaincu pour le tuer. Le trou qu'il a fait l'eau. Elle est encore consciente, frère. J'aime bien qu'elle pense à Roger à ce moment-là. Mais c'est vraiment moi. Ah ouais, mon adat. Bah oui, faire la curiosité gros, prendre le dessus. Il y a quelque chose du One Piece dans ce pays. Et même Big Mom elle commence à s'intéresser là. Wesh, hey, gros. On dirait que la Big Mom va être vaincue dans cet épisode, mais mourir, ce serait une dinguerie. Parce qu'on connaît, dans One Piece, il y a très peu de gens qui meurent. Et encore moins des antagonistes. Elle va penser à quand elle a mangé les gamins là. Cette carnivore là. Ah ouais, elle repense à toute sa vie. Hein. Mais j'aime bien cette scène, Ça montre l'importance d'un empereur et la signification de... De la défaite d'un empereur, de Yonko. Après, c'est sur sa... Oh, de la lave! Elle va tomber dedans!
Elle va pas mourir comme ça, Big Mom, gros. Même pas le Loki à le finir. Au kid. Et pour moi, là... Big Mom, elle a tellement sous-estimé ces deux gamins, là, que je pense qu'elle sera allée à 100%, elle aurait gagné. Elle aurait jamais dû les sous-estimer. Oh, c'est une dinguerie. Ils nous ont pas montré, elle est pas morte, gros. Ils nous ont pas montré, elle est pas morte, gros. Mais elle vient d'où l'explosion? Elle vient d'où l'explosion? Je captais pas. Et je kiffe comme il a mis le silence, il y a eu aucun bruit, mais... Impossible, Big Mom, gros. C'est un perso important, gros. Elle va pas mourir comme ça. Elle est vaincue. Mais elle est pas morte. C'est une dinguerie quand même, hein. J'ai des petits frissons, je t'aime pas, j'ai des petits frissons. Le premier empereur vaincu, frère. J'enlève Barbe Blanche parce que ça avait rien à voir, gros. Le premier empereur vaincu par des pirates. Entre pirates. Barbe Blanche, on l'a sauté. Il fallait toute la marine, Barbe Noire, etc. Hein. Bicon, pour moi, c'est le premier empereur vaincu. Zunisha ? Zunisha ? Enfin! Enfin les jeux sérieux! Les jeux sérieux! Ok, Kanjuro. Kanjuro ça dégage. Fukurokujo ça dégage. Bikam ça dégage. Oh là 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 là, le Fikaito! Le Fikaito! Combat final de Wano les gars. Oh ça va chier, oh ça va chier, oh ça va chier. Ah ok. Il y a une des bombes, ok c'est pour ça que ça explose, ok. Il y a une des bombes de Wano qui a explosé au moment que Big Mom elle est tombée. Ok. Zunisha. Ah, dans le livre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans le journal d'Odin? Est-ce qu'il y avait un truc important qui parlait de Zunisha? Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Parle, dis-nous un truc ma gueule. Celui qui a commis un crime terrible. Le partenaire de Joy Boy. Comment il sait ça? Il lui a dit. Kaido et Luffy. Non, Kaido qui pleure. Hein. Ouais, j'avoue, ils étaient dans le même équipage pendant une quarantaine d'années. Enfin, même plus, je suis un ouf. Ah oui, il y a le CP0. Aïe. Ouh, Snake Man vs Kaido. Ok les gens, bon. Épisode 1067. Je dis pas de la D. Il y a 1067. On m'a dit l'épisode 1070 et 1071, ça va être des épisodes légendaires. Donc je pense que ça va être sur le fait Kaido, bien sûr. On m'a dit des épisodes légendaires qui ont pris 7 mois. Je dis bien 7 mois à animer. Alors que le combat Zoro vs King Kid pour moi était le meilleur combat de One Piece. Ça a été pris pour un mois. 7 mois, vous en rendez compte? Vous en rendez compte? Donc des épisodes, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être du grand n'importe quoi. On m'a dit que ce sera légendaire. Donc ouais, 3-4 épisodes en attendant. Bon ça va être en août aussi, parce que ça va être décalé d'une semaine je crois, si je dis pas de la merde. Big Mom vaincu, premier empereur vaincu depuis Barbe Blanche.
J'ai bien aimé la scène, j'ai bien aimé. Elle est pas morte, elle est pas morte. Oda, quand il fait mourir un perso, ça reste dans les images, ça reste dans les annales. Quand il fait mourir un perso, surtout un perso important comme Big Mom, gros, ça reste, ça, c'est une meilleure scène que ça. Et là, elle est morte. Elle est pas morte. Moi, je vous le dis, elle est pas morte. Je sais pas, mais elle est pas morte. J'ai pas vu le scan, je sais pas ce qui se passe, mais elle est pas morte. Bon, je sais quand un perso il meurt dans One Piece, mais elle est pas morte. C'est impossible. Ah, ils nous font croire que, hein. Tant qu'on a pas vu son corps, frère, elle est pas morte, gros. Elle est trop importante pour ça. Bon, bref. Là, il nous reste trois scènes. Le CP0. Les scènes avec le CP0. Hiyori, Orochi, dont on dirait ça va se focaliser dans le prochain épisode. On a vu dans la preview, ça va se focaliser sur ça. Et bien sûr, le Fives Kaido. Le combat final de Nigashima, ça commence, on dirait. Law et Kid qui ont vaincu en épreuve leur Wanted poster. Ils vont exploser. Ils ont dépassé le milliard après vaincu Big Mom. Après, ils n'ont pas vu vaincu en 1-1. Ils n'ont pas vaincu en 1-1, mais ils sont pas encore à la puissance d'un empereur. Comme Luffy là. Ils sont loin de. Bon, peut-être pas loin, mais ils ont pas la puissance d'un empereur. Ils sont en dessous de Luffy pour moi là. Et après, c'est normal. Hein, Luffy est un combattant 1-1 Kaido. Qui est pour moi plus puissant que Big Mom. Depuis un moment, bon après, il s'est fait vaincre, je sais pas combien de fois. Bon, bref. Ils sont pas level Yonko, mais dans le futur ils le sont comme Zoro, c'est sûr et certain. Comme Zoro il sera réélu. Je pense Law et Kid, ce sera un bail de Barbe Blanche et Kaido. Tu vois, Law Barbe Blanche et Kid Kaido ou un truc comme ça. En tout cas, ce sera des futurs empereurs, c'est ça que je veux dire. Bon. Moi je t'en pas, j'ai hâte dans les prochains épisodes. Hein. Bon, pas le prochain, on dirait le prochain, ça va être basique. Bon, ben ça je serai là, mais. Il n'y aura pas, je pense, quelque chose d'important. Mais comme je vous ai dit, le 1070 et le 1071, il sera légendaire. Et je suis excité à la mort. Je suis excité à la mort. On m'a dit qu'il y a les Avengers qui font animer cet épisode. Il y a des vrais gars, des vrais animateurs qui animent cet épisode. Gros, je suis excité, moi déjà. C'est la fin de cette vidéo. C'est à qui fait le bon like, commenter, partager. Juillet, les gens, ce mois-ci, vous verrez, l'emploi du temps est chargé pour ma chaîne YouTube. Il y a du sale, Bleach, du Skyzen, Rurouni no Kenshin, et Mushoken Tensei peut-être, et bien sûr One Piece. Bien sûr One Piece. C'est toi qui fais le bonheur, commenter, partager, vous connaissez les bonnes choses. Peace!